Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le showcase d'un trio dans une seule et même carte. Naizu, Doré et Sauzer avec un artwork absolument incroyable. On dirait une pose du commando Ginyu. Vous le savez, cette unité-là, j'ai réussi à la dropper lorsque j'ai invoqué sur le portail de couleurs sur la première multi-invocation. On est donc parti pour faire une review de ce personnage-là avant de partir la tester en Goku Rush, en Dragon Rush, pardon. Et vous allez voir, parce que c'est un personnage qu'on peut dropper dans le hors détecteur, sur papier, il est très intéressant. Au niveau des statistiques, j'ai pas de doublon dessus, donc il y a juste l'arbre de compétences gratuit, 10 757 PV, 11 248 d'attaque et 6 834 de défense. C'est des stats qui sont moyennes. En ce qui concerne son aptitude leader, qui plus 3, 120% de stats pour la catégorie terrifiant conquérant, donc pour la catégorie conquérant, ça c'est pas mal du tout. Et au niveau de l'attaque spéciale, il debuff l'attaque et la défense des ennemis. Ensuite, et c'est là où c'est le plus intéressant, comme la plupart des cartes d'ailleurs, c'est au niveau de son passif. Écoutez bien, attaque et défense plus 30% par allié de catégorie conquérante dans l'équipe. Sachant que moi, toute ma team est terrifiant conquérant, ça veut dire qu'il aura un boost total d'attaque et def plus 210%. Et si on ajoute à ça un personnage dont le nom comprend couleur dans la même équipe, il a deux attaques garanties qui peuvent avoir une chance moyenne d'être des attaques spéciales. Les chances moyennes, je crois que c'est 20% et quelques. Donc en gros, là sur papier, vous savez, il est quand même assez intéressant. Il y a juste au niveau du link set où malheureusement, ça va être très difficile de le faire partir en attaque spéciale selon les rotations parce qu'il a que vitesse époustouflante. Et je le rappelle, parce que oui, j'ai pour une fois 800 EQ, j'ai déjà démarré la run dans le Dragon Rush, et comme je vous disais, c'est au niveau du link set où il va avoir du mal à partir en attaque spéciale, parce qu'il partage pas forcément beaucoup de liens. Vous voyez qu'avec le couleur transformation, malheureusement, c'est zéro lien de ki, et moi, la rotation que j'aimerais garder forcément dans le gameplay, ça serait, obviously, le couleur avec le couleur. Et au niveau du team building, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai un petit peu joué beau jeu pour le coup, j'ai ramené le Metal Couleur, un très bon support d'attaque, avec le Thalès Agilité, un très bon support d'attaque également, et le Freezer, certainement le personnage qu'on va mettre à côté de notre fameux Sauzer, parce qu'il partage Fierce Battle, attaque plus 15% et vitesse époustouflante qui va leur donner ki plus 2, donc c'est le strict minimum et c'est plutôt correct. Vous pouvez voir qu'au niveau de la défense, quand même, sans doublon, 92 000, sans qu'il y ait de support d'ailleurs dans la rotation, c'est pas mauvais pour l'instant. Du coup, c'est parti, on va voir à combien de valeur de spé il démarre, 1 100 000 et quelques. D'ailleurs, c'est la première fois que je découvre l'attaque spéciale de Sauzer ici. C'est plutôt sympathique, hein. 1 200 000 quand même. Après, je tiens à préciser, pour l'instant on est sur l'avantage type, avantage classe, donc c'est normal qu'on voit des dégâts aussi élevés. Mais quand même, parce que s'il peut proquer deux attaques supplémentaires et que c'est deux spé supplémentaires, il y a clairement un monde où ça peut ne pas rigoler du tout là pour le coup. Alors ici, je pense qu'on va faire ça histoire d'avoir les bonnes rotations. Donc là, moi, comme je vous l'ai dit, mon but c'est d'avoir couleur, couleur, et ensuite en flotteur, je laisserai certainement le Thalès avec le mien de couleur qui servira pas forcément à grand chose. Quoique même dans le Dragon Rush, en vrai, il me semble qu'on a pas mal d'ennemis de Saiyan 200 mêlée ou Saiyan pur vers la fin de toute façon. Donc ouais, en vrai, il devait faire le taf. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'avais pas joué une équipe dans laquelle il y avait au minimum deux support à l'intérieur, et du coup ça fait que là, 2 tours sur 3, on aura quand même un boost d'attaque qui va être assez violent. On a déjà terminé la phase du Krillin ici, tant mieux, parce qu'avec le Sauzer on aurait été en désavantage type, donc ça se passe plutôt pas mal pour l'instant le gameplay. Du coup là, on revient avec une nouvelle rotation, 168 000, si là je le mets ici avec le couleur, on a quand même 193 000 de barre d'attaque, et on va monter du coup ici à 270k. Au niveau de la valeur de défense, on a dépassé la barre des 100 000, et c'est vraiment pas mauvais, hein. Hors détecteur, hein, le personnage, je le rappelle, et on parle de Sauzer, genre vraiment un personnage qui est pas normalement censé être aussi respecté sur Dokkan Battle. 1 200 000 de barre d'attaque, ça serait bien qu'on puisse voir plusieurs attaques spé dans le même tour. Ça pourrait être très sympathique, à chaque fois on a une chance sur 5. Ok, double spé, il a mis quand même 600 000 et quelques, donc là il a enlevé 1 200 000. Là on est sur du neutre, donc c'est vraiment la valeur de dégâts réelle qu'on pourrait voir dans de vraies conditions. D'ailleurs, on est dans de vraies conditions, by the way. Et vu que d'ailleurs, dans son passif, il a deux attaques supplémentaires de garantie, si vous lui mettez full attaque supplémentaire, il se peut, mais après il faut avoir énormément de luck, qu'il place 4 spé dans le tour. Après, ça relate vraiment du miracle de voir 4 spé dans le tour, mais je pense qu'il y a un monde où c'est largement possible de faire ça si on a un petit peu de chance. En plus, pour faire ça, il n'y a même pas besoin de doublon, vu que c'est une unité de type endurance. Il y a l'attaque supplémentaire de garantie via l'arbre de compétences, donc ouais, il y a peut-être moyen que ce soit stylé, hein. Ici, on n'a toujours pas transformé le couleur forme finale, c'est un petit peu dommage, mais c'est parce que j'ai pas le passif, vu qu'on affronte pas encore de Saiyan de sang mêlé ni de Saiyan pur en face. On va devoir attendre certainement dans 2 tours avant de pouvoir le transo. De toute façon, c'est pas très important, hein. Le showcase du couleur, je vous l'avais déjà montré, il est très très violent d'ailleurs en Goku Rush. Faudrait que je tente d'essayer de one turn la phase s'il y a moyen avec ce couleur. Allez, let's go, cette fois-ci on a nos fameuses rotations, donc j'aurais plus besoin de garder couleur dans ma rota avec moi, 176 000. Là normalement on est censé avoir exactement pareil, donc là je vous montre ici, c'est exactement le même link set.
sauf que le couleur forme final il sera bien mieux à côté du couleur transfo ici pour le coup. Alors là on est sur une rotation sans support, donc ça veut dire que en fait de base il a 90 000 de défense et 1 million de barre d'attaque. Je pense que c'est vraiment ce qui se fait actuellement dans le jeu de plus basique, et pour une unité hors détecteur franchement moi je trouve ça très très correct. Première attaque spéciale de balancer, jusqu'à combien on va pouvoir monter? Ok, 627 000, attaque supplémentaire qui est juste une auto et peut-être une deuxième spé. Oui, la deuxième spé qui proc, c'est nickel. Oh, franchement, c'est pas mal, hein. Après, le mode de jeu dans lequel je suis en train de le tester, je pense pas que ça soit le mode de jeu dans lequel c'est le plus rentable de le jouer, parce qu'à un moment, le debuff d'attaque et de défense, il sera plus applicable sur les ennemis en face, donc je pense vraiment que le mieux, ça aurait été de le tester en Battle Road. Je pense qu'en Battle Road, il aurait vraiment fait le taf, hein. En SBR, les ennemis, tu peux les full debuff à l'infini, tu peux les stun, tu peux les bloquer au niveau de leur spé et tout, tu peux te faire plaisir, en fait. Là, ici, on aura uniquement la possibilité de voir des attaques spéciales et on entre enfin en scène avec le couleur transformation critique de garantie à partir de maintenant. Vu que l'ennemi en face est un catégorie Saiyan de sang pur, on va se régalado, régalada, régaler guada. On va quand même tâcher d'apprécier ce beau moment ici. On va partir en spé. Je vais d'abord tanker avec le métal couleur parce que être en désavantage type, c'est pas que ça m'arrange pas, mais ça m'arrange pas du tout en fait. Allez, let's go. D'ailleurs, je l'ai toujours pas spé 15 et il a obtenu un ZTUR. C'est pour ça que je l'ai ramené dans cette équipe. Je n'en ai pas fait un showcase, mais il est quand même très très bon. Vous pouvez le laisser en dernière rotation. Il tourne autour des 80-90 KDF. C'est largement correct pour un support. 2 800 000 de voir d'attaque et il a pas de doublon celui-là pour le coup. Et c'est la première fois qu'il part en spé et qu'il va pouvoir booster son attaque. En double support, ça rigole pas. Oh là là, déjà 3 millions après deux attaques spéciales. Vraiment double support là, on est sur de attaque 70%, c'est violent quand même, hein. C'est d'une violence mon pote, on a failli mettre une triple spé, j'ai cru à un moment donné. Thalès agit qui va certainement pas terminer le combat à mon avis, sauf si double spé, pas du tout. Allez let's go, une nouvelle transformation, cette fois-ci c'est avec mon couleur à moi. Encore une fois j'ai trollé, j'ai pas activé le son. Bon, je vous fais une petite transition et on se retrouve dès que le Seuzer part en spé. Noise, 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 on est de retour avec nos fameuses rotations. En vrai c'est dommage parce qu'il aurait vraiment été encore plus insane si au lieu de debuff l'attaque et la défense, il avait augmenter soit son attaque à l'infini, soit sa défense à l'infini. Enfin, vous imaginez, avec deux attaques supplémentaires de garantie qui peuvent devenir des spé, si booster son attaque à l'infini, il y avait moyen que la rotation couleur avec Sauzer, même s'il n'y a pas de lien de ki, et ça c'est un petit peu dommage. En vrai, je pense qu'on aurait pu jouer une rotation avec couleur forme finale, Neo God et avec le Sauzer. Ça aurait largement pu passer, et d'un autre côté, t'aurais fait couleur transfo avec un autre personnage avec qui il y aurait eu pas mal de link set. Franchement, ça aurait été ultra violent. Après, j'abuse un petit peu, le personnage, il aurait été vraiment trop violent si ça avait été le cas. La rotation couleur transfo et couleur fin finale. Aïe, 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 mais c'est tellement terrible cette rotation. En plus, là, on les met vraiment en avant de fou parce qu'il y a deux supports, du coup, deux tours sur trois. On les voit avec des valeurs d'attaque juste totalement déconnées. Supernova du métal couleur, le critique à contre-type qui régale énormément. On a beaucoup régénéré nos PV d'ailleurs, et ça, c'est très très étonnant parce que j'ai pas utilisé d'item le tour d'avant. On a le passif du Golden qui est activé avec son critique garanti, mais malheureusement, moi ce que je veux voir ici, c'est le Dokkan Mode avec El Famoso Sauzer. On a un support d'attaque de 40%, retenez bien ici du coup. Je pense qu'on est prêt pour voir pas mal de dégâts. C'est dommage en vrai que j'ai pas de doublon parce que ça aurait pu me permettre d'avoir le critique au moins sur le personnage avec son art de compétence. Mais bon, NP, comme d'hab, si je loupe, single en fin de vidéo. Incroyable, j'ai été adapté par rapport au moment où je cliquais dessus. Insane. Beaucoup trop chaud le mec. On avait combien en bas? 1 million de 2 de valeur d'attaque, sauf que ça va monter pendant que je suis en attaque spéciale. Y a pas de critique garantie, on est sur du neutre, donc s'il arrive à mettre 1 million et quelques, c'est déjà pas mal. 1 200 000, double spé peut-être, attaque supplémentaire, ok non, uniquement deux auto-attaques. Il aurait pu proquer avec l'art de compétence, il y avait une chance sur 10 qu'il en mette une nouvelle. Et là je pense que le Golden va tout simplement terminer le combat. Je sais pas s'il reste encore des phases de type intelligence pour qu'on puisse retaper avec l'avantage type avec lui, il faudrait voir. En vrai il me semble pas, là il reste que des phases de type puissance, donc on arrive certainement déjà à la fin de ce showcase qui fut très 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 rapide. Mais on va quand même profiter des attaques spéciales de couleur vu que là, critique garantie, il y a peut-être un monde où on pourrait réussir à le one turn en vrai, s'il y a des doubles spé qui se trimballent par-ci par-là. Déjà le premier vol plané mortel sur le Goku, en plus c'est un Goku SSJ incroyable, 1 500 000, ouais non il a quand même beaucoup beaucoup de PV ici. Au niveau des valeurs des autos, ça change pas, c'est toujours aussi incroyable. Allez, maintenant c'est au tour de l'écrasement de la mort, vol plané mortel, écrasement de la mort, le mec il aime trop écraser les gens en fait, couleur. 2 300 000 de valeur d'attaque avec le mien qui a pas énormément stacké tout le long du combat.
Franchement, 2 millions de valeur d'attaque avec du crit garanti, c'est tellement n'importe quoi en vrai ce personnage. Je rêve où il a esquivé. Je crois que j'ai pas halluciné, hein. Le Goku il a réellement esquivé mes attaques là. Il s'est pris pour qui en fait? Ici du coup on a une rotation avec un petit support supplémentaire d'attaque et de défense. Et en plus de ça il donne du ki, ce métal couleur maintenant. À l'époque je crois qu'il en donnait pas tellement. Donc là on est sur de très très bons bails. Je pense que c'est la dernière fois qu'on verra partir en attaque spéciale de Sauzer. Il y a peut-être moyen que je crève ce tour-ci. Et vu qu'on n'a pas moyen de mettre un crit kick, on pourra pas le tuer cette rotation là je pense. Allez let's go, regardez une dernière fois l'offensive blindée de Neizu, Doré et Sauzer avec leur enchaînement en trio incroyable, moins de 222 000. On débuffe la défense, ouais j'avais pas halluciné, il a bel et bien esquivé, il a même doublement esquivé, excuse-moi mec. Et est-ce que pour terminer en beauté je me ferais pas tuer ici? Eh bien voilà. Mesdames et messieurs, bon j'ai pas terminé de la meilleure des manières le showcase, mais au moins je pense que vous avez pu voir dans l'ensemble l'utilité de ce personnage, pas forcément dans le meilleur des modes de jeu comme j'ai dit, si vous voulez le rentabiliser c'est certainement dans le Battle Road de catégorie il sera le plus brillant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette unité, et moi comme d'habitude je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao ciao.